Allô ? Bonjour monsieur, c'est bien le magasin de lingerie ? Oui monsieur. Député Martin, à l'appareil de l'Assemblée nationale de Martinville. Oui ? J'ai acheté de la lingerie chez vous il y a quelques mois, mais je l'ai fait passer en note de frais. Ah bon ? Oui, mais là, comme ils contrôlent toutes les dépenses, j'ai refait une nouvelle facture pour remplacer la vôtre. De quoi il s'agit là, d'une facture, hein ? Ouais, pour que ça passe en note de frais plutôt que de la lingerie, j'ai dit que vous m'avez vendu des fournitures de bureau. Oui, mais si vient le contrôler... Justement, j'ai mon beau-frère qui travaille chez Martin Fourniture, il va mettre le stock de son magasin chez vous. Ah non, moi j'ai pas de large chez moi, hein. Moi il n'y avait pas question. C'est pas, il fallait me contacter avant. Ben c'est ce que je fais. Ah, mais c'est trop tard, je regrette là. Non, moi dans mon magasin, pas question de fourniture de bureau ni quoi que ce soit, je sais pas où je le mettrai. Alors, j'ai mon beau-frère qui travaille à la menuiserie Martin qui va vous faire des étagères. Ah non, mais dites, j'ai pas de place. Mais si, puisque mon beau-frère qui travaille chez Martin Chantier va vous monter une cloison en placo au milieu du magasin. Ah, non, au milieu du magasin. Comme ça, il y aura une partie fourniture. Mais j'ai pas de place, puisque vous êtes venu chez moi. Vous devez connaître le magasin. Oui, alors j'ai fait faire un plan par le cabinet Martin Architecte. Effectivement, ça empiètera un peu sur la rue, mais bon, ça c'est... Non. Écoutez, je vais prévenir la gendarmerie qu'il y a quelque chose qui est pas normal, là. Hein. Ah bah non. Sinon, vous allez voir que je vais devoir rendre les slips que j'ai achetés chez vous. Rapportez-moi les slips. Si vous l'avez pas mis, vous le rapportez. Alors, disons que c'est pas moi qui les ai mis. Ils ont quand même été portés, oui, mais... Non, mais vous me demandez, je vous le dis. Ah ben oui, mais si quelqu'un qui les a portés, je reprends pas quand même la marchandise qu'on a portée. Bah c'est pas moi qui les ai portés, c'est ce que je vous dis. Ah ben, c'est pas vous, alors qui c'est qui les a mis ? Oh, je sais pas, moi, j'ai pas fait gaffe. Mais pas regardé le pédigré de la personne, c'est pas moi qui... Non, mais c'était des gens de passage, donc je connais pas non plus. Ah non. Ah mais si ce sont des gens de passage, alors non, là c'est pas net, hein, votre histoire. Pardon, mais s'il faut connaître les noms de tous les gens qui viennent porter des slips chez moi... Bon, écoutez, j'ai deux personnes qui sont témoins de votre conversation. Oh, bah le coup des témoins, tiens. Il y a deux personnes qui entendent de la conversation. Non, il y a personne. Ici, on est là. Vous bluffez. Non. On est là, non, on bluffe pas. Les deux personnes. Non, mais c'est toujours le même monsieur qui parle. Ah, écoutez, je regrette, nous sommes que des femmes, déjà. On est alors, merci bien. Oui, je vois, vous essayez de changer de voix, bien joué, mais pas à moi. Écoutez, allez vous promener, je vous préviens. Allô ? Toujours le même monsieur, c'est bien ce que là, je disais. Écoutez, monsieur, là, vous êtes en train de me prendre pour une grosse imbécile. Hein. Il n'y aura pas une fourniture de bureau dans le magasin. Maintenant, c'est clair, c'est bien, c'est pas clair, c'est pareil, ok ? Ok, du moment que vous notez fourniture sur la facture, moi, mais ça me va. Mais je ne vends pas de fourniture de bureau, je peux pas vous noter que je vous ai vendu des fournitures de bureau, mais enfin... Eh bien, dans ce cas, on coupe la poire en deux, vous dites que vous m'avez vendu des slips de bureau. Non, mais vous foutez de ma gueule, là, c'est une gag, c'est... Qui c'est qui me prend pour un con, là ? Hop, on inverse pas les rôles, s'il vous plaît. Non, on inverse... Allez, stop. Non, parce que le con dans l'histoire, c'est quand même moi. C'est une blague, monsieur, non, arrêtez, dites-moi que c'est une blague, j'en peux plus. Ah, alors, je vais vous dire que c'est une blague, oui.